manchette aujourd'hui, boni de 15 000 $ pour les infirmières travaillant à temps plein. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 23 septembre. Donc, on va vous parler tantôt des infirmières et du gouvernement du Québec, mais débutons par un rappel un peu de la dernière élection fédérale. Oui, le bloquiste Yves Perron a été réélu dans Berthier-Masquinongé au terme d'une chaude lutte avec la candidate du NPD, Ruth-Hélène Brosseau. M. Perron est passé ses dernières heures à nos bureaux à Berthierville et il nous a accordé une entrevue concernant en lien avec sa réélection. On l'écoute. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va très bien. On est très contents. Super! Donc, satisfait de cette victoire? Très satisfait. Honnêtement, on s'attendait à peut-être une lutte moins serrée, mais paraît-il que dans Berthier-Masquinongé, on aime se coucher tard et on aime les luttes serrées. Alors, on s'est couché, on a été déclaré élu à 2h15 du matin. Donc, on s'est couché plus tard que prévu, mais on s'est couché heureux et puis on est prêt à continuer le travail. Super! Puis justement, les petits commentaires, là, vu que ça fait une journée que ça a été annoncé officiellement que vous êtes réélu. Oui. Bien, écoutez, on a analysé les résultats un peu. C'est sûr que dans les facteurs qui ont pu jouer, on a nommé la couverture médiatique nationale qui est assez inégale dans la circonscription. Je le dis sans amertume, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais je le dis, je me donne la permission de le dire. Heureusement, il y avait d'autres facteurs qui jouaient, comme l'excellent travail du député depuis 20 mois, je l'espère, du député et surtout de son équipe, puisque c'est une question d'équipe, hein? Et puis on travaille vraiment pour les gens, puis on se dévoue, puis pendant la pandémie, on était ouvert 7 jours sur 7, puis bon, et on fait avancer nos dossiers. On a pris des engagements pendant la campagne, hein, de travailler sur l'érosion des berges, de continuer le travail sur le déploiement Internet, sur les tours cellulaires, la pyrotite, sur les enjeux de main-d'œuvre aussi qu'on a nommés pendant la pandémie. On a des propositions concrètes à faire très rapidement. Mais la première chose qu'on fait ces jours-ci, là, c'est de s'assurer que les cas de circonscription cheminent. Parce que pendant l'élection, on a eu la mauvaise surprise de constater que ça avance pas vite. Et quand on insiste, on se fait répondre qu'on est dans la période de transition et qu'on doit être assez neutre. C'est quand même surprenant parce que des gens qui ont des problèmes, ils n'arrêtent pas d'avoir des problèmes parce que nous, on s'amuse à être dans une élection qui est inutile et irresponsable en temps de pandémie. Mais bon, ça fait partie de ma petite pile de frustration. J'ai un collègue qui siège depuis assez longtemps sur la Rive-Sud, vous devez vous deviner de qui je parle, qui me dit que faire de la politique, c'est gérer ses frustrations. Une fois de temps en temps, j'ai l'impression qu'il a raison. Fait que là, on s'assure de pouvoir aider toutes les personnes qu'on peut, aider, là, on dit ça en riant, mais dans le fond, c'est vraiment pas drôle, là. Il faut vraiment qu'on se dépêche de régler ces cas-là, ça, c'est la première chose. Sinon, on a eu un petit caucus rapide ce matin en ligne. On devrait avoir un autre caucus la semaine prochaine, je l'espère, en personne. Et on va établir nos lignes de match, puis on va reprendre le travail, là, on l'a laissé. Je profite de l'occasion pour remercier les électrices et les électeurs de Berthier-Masquinongé, tous ceux qui ont voté Bloc québécois, mais aussi tous ceux qui ont voté pour une autre formation politique, parce que vous avez exercé votre droit démocratique et que c'est grâce à vous si on peut exercer ce droit fondamental. Donc, c'est très important. Puis on est déçus un peu du taux de participation. On s'attendait à ce qu'il y ait moins de monde qui aille voter à cause de la pandémie. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Je crois que dans la circonscription, c'est en haut de la moyenne nationale. Ouais. Là, c'est autour de 62%. La moyenne nationale, c'est quelque chose comme 58 avant le décompte des votes postaux. Ça devrait augmenter un peu. On est content, globalement. Puis on vous dit merci. Puis on s'est engagé à travailler pour vous. Bien, c'est ça qu'on va faire dans les prochains mois. On l'espère dans les prochaines années. Et pourquoi pas dans les prochains 4 ans. Parce que ça devrait être ça, le mandat d'un gouvernement, qu'il soit minoritaire ou majoritaire. Le mandat, c'est parlez-vous et faites des compromis, puis faites avancer les choses. C'est historiquement, c'est assez intéressant, historiquement, il y a de très grandes lois qui ont été votées en contexte minoritaire. Dans le dernier Parlement, nous, on a réussi à faire voter la loi sur la relève agricole pour les petites entreprises, mais historiquement, les trucs comme l'assurance maladie, ça s'est fait pendant des gouvernements minoritaires, mais des gouvernements minoritaires intelligents qui essayaient de gérer les choses selon le mandat qu'ils avaient reçu de la population. Pas des gouvernements minoritaires opportunistes qui essayait, à la première occasion possible, d'avoir tout le contrôle. Mon message est passé. Je pense qu'il était assez clair. Effectivement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup.
Plus tôt aujourd'hui, François Legault, le premier ministre du Québec, a tenu une conférence de presse. Il était accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Tout cela en lien avec le réseau de la santé. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Le plus important, c'est la réorganisation du travail, mais pour se rendre jusque-là, on annonce aujourd'hui des incitatifs financiers importants pour avoir plus d'infirmières à temps plein qui vont nous permettre justement d'offrir des horaires qui sont prévisibles, qui sont raisonnables. Puis je veux aussi vous préciser que quand je dis infirmières, ça inclut les infirmières auxiliaires, ça inclut les inhalothérapeutes, puis ça inclut les perfusionnistes. Donc, le premier principe qu'on s'est donné pour donner des bonis, c'est de dire faudrait que les infirmières qui sont restées dans le réseau ne soient pas pénalisées, au contraire, qu'elles soient avantagées. Donc, c'est les personnes qui travaillent à temps plein dans le réseau là, à qui j'annonce qu'on va leur donner un boni de 15 000 $ donc par infirmière, celles qui travaillent à temps plein. Deuxième groupe, les infirmières qui sont dans le réseau actuellement, qui acceptent de passer à temps plein, vont recevoir aussi un boni de 15 000 $ Troisième groupe, les infirmières qui ont quitté. Donc, soit qui ont quitté pour être chez elles à la retraite, soit qui ont quitté pour aller souvent dans le secteur privé. Donc, les infirmières qui ont quitté, qui acceptent de revenir à temps plein, vont avoir un bonus de 12 000 $ Il y a une quatrième catégorie qui est dans cinq régions. Il y a cinq régions où il y a des problèmes particuliers. Bon, l'Outaouais, bien sûr, parce qu'il y a la compétition d'Ottawa puis de l'Ontario. L'Abitibi-Témiscamingue, dont on a beaucoup parlé. La Côte-Nord, le nord du Québec, puis la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, des régions qui sont plus éloignées, où il y a encore plus de problèmes. Donc, dans ces régions-là, on va offrir un boni aux infirmières qui sont déjà à temps plein, qui sont restées de 18 000 $ Puis, les infirmières qui acceptent de revenir à temps plein dans ces cinq régions vont avoir un boni de 15 000 $ Bon. En plus de ces incitatifs financiers, Christian, avec les PDG de CIS et de CIUS, va s'assurer qu'à l'avenir, les meilleurs horaires de travail vont d'abord être offerts aux infirmières du réseau public, donc avant les infirmières qui passent par les agences privées. Ensuite, on va embaucher des agents administratifs. Il y a beaucoup d'infirmières qui nous ont dit « je passe 30 % de mon temps à remplir la paperasse ». Donc, on aimerait mieux, nous autres, qui passent ce temps-là à soigner des patients. Donc, on va embaucher des agents administratifs. Ça va libérer du temps d'infirmière. Il y a aussi des moyens qui vont être mis en place qui vont donner plus de résultats à moyen terme. Le ministre de l'Emploi, Jean Boulay, travaille sur du recrutement à l'extérieur du Québec. Puis, il travaille aussi sur une accélération de la formation des infirmières auxiliaires. Donc, je conclue en vous disant que toutes ces mesures vont nous permettre de réduire de façon très importante. On aimerait ça que ça soit complet, là, mais on va être réaliste dans un premier temps de réduire de façon très importante nos deux problèmes chroniques, c'est-à-dire réduire le temps supplémentaire obligatoire puis réduire l'utilisation des agences de placement privées. Puis pour ça, bien, vous le voyez, on a des moyens costauds. Ça représente un coût d'environ 1 milliard de dollars pour le gouvernement du Québec. C'est beaucoup d'argent, mais on pense que la situation le justifie. Maintenant, dernière chose que je veux préciser, on a très bien compris que l'essentiel pour les infirmières, c'est pas l'argent, c'est
La qualité de vie, c'est d'être capable d'arrêter d'avoir du temps supplémentaire obligatoire, d'avoir de la prévisibilité. Puis notre objectif dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure... de dire, il faut que le réseau public de la santé soit la meilleure place pour les infirmières pour travailler. Allons maintenant à la pause. En ce 23 septembre, un anniversaire à souligner, celui de Éric Mondor, c'est l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier qui lui souhaite bonne fête. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Hier, on vous a parlé du CI3S. On a eu le bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse, les directeurs provinciaux. Voici donc les différentes données, cette fois touchant la région de la Naudière. On regarde et on écoute. Vous savez que cette année, se terminant au 31 mars 2021, nous avons traité au niveau provincial 117 904 signalement, vous avez entendu dans la vidéo d'entrée que ça représente 323 situations signalées par jour au Québec. Par contre, à la Naudière, nous avons traité 9658 signalements, soit entre 26 et 27 signalements, là, un peu plus de 26 signalements par jour. Ces signalements-là qui ont été traités durant l'année 2020-2021, on vous les a évidemment là, un peu décortiqués pour vous expliquer la tranche d'âge en fait que ça représente, combien de signalements on a retenu. Donc, sur les 9658 signalements traités, nous en avons retenu 3444 à la Naudière pour l'évaluation. Donc, une démarche avec un professionnel qui va rencontrer la famille, les enfants, leur milieu de vie, qui fait une évaluation exhaustive des éléments qui nous avaient été signalés. Donc, dans ce 3444 situations qui ont été évaluées, vous voyez là sur la roue là, en bas, le groupe d'âge principalement signalé, ce sont nos 6-12 ans, donc pour la presque 50 % de nos situations là, ont touché des enfants de 6-12 ans. Je vous laisse là, constater les autres groupes d'âge qui sont concernés par nos situations retenues. J'irai à la page suivante. Évidemment, quand on retient un signalement, vous savez, vous connaissez la loi un peu sur la protection de la jeunesse, on ne peut pas s'introduire dans la vie d'un enfant sans motif raisonnable, valable. Ces motifs-là sont bien définis dans l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, pour la Naudière, vous voyez que la dernière année, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait retenu un 3444 signalements. Donc, vous voyez, les alinéas de la loi sur la protection de la jeunesse qui permet au directeur de la protection de la jeunesse d'entrer dans la vie d'un enfant pour aller porter une attention et une évaluation à sa situation. Alors, on vous a mis sur ce tableau-là
les problématiques qui sont ciblées par ces 3444 situations-là. Alors, vous voyez que la grande majeure, bien, pas la grande majeure, bien, sur 36,9% des situations qui nous sont signalées au départ, ce sont des situations qui préoccupent les gens pour lesquels ils signalent des abus physiques. Le deuxième élément le plus signalé, en fait, c'est la négligence. Donc, nous avons plusieurs types de négligence balisées dans la loi. On a de la négligence éducative, la négligence au plan de la santé et de la négligence au plan physique. Je dirais que nos deux plus grands enjeux, en fait, c'est les situations d'abus physiques et de négligence. Par contre, en troisième lieu, les mauvais traitements psychologiques nous préoccupent aussi beaucoup. Dans cet alinéa-là, vous retrouvez en fait toutes les situations de conflit, de garde, de violence conjugale, je dirais au niveau affectif, de négligence affective, donc le rejet, le dénigrement. Donc, il y a beaucoup d'éléments au niveau psychologique qui viennent nous préoccuper dans la Naudière. Par contre, je dois vous dire que les pourcentages sont similaires à celles de la province aussi. Donc, qui sont nos principaux signalants? Quelles sont les personnes qui se préoccupent et qui prennent le téléphone pour contacter la DPJ? Alors, on vous a fait un tableau sur qui sont nos personnes qui signalent à la protection de la jeunesse une situation d'enfant. Alors, vous retrouvez les employés de différents organismes. Ce sont nos plus grands collaborateurs qui, évidemment, sont très près des enfants qui vont être préoccupés et nous signalent la situation de ces enfants-là. Le milieu policier, c'est un partenaire très significatif aussi qui va nous alerter quand il y a des interventions dans les milieux familiales par un policier dans lequel on constate la présence d'un enfant qui pourrait être victime de certains éléments problématiques. Ce sont nos deuxièmes plus grands signalants. Et le milieu scolaire, évidemment, les professionnels, les professeurs, les directeurs vont être les personnes aussi qui vont nous alerter dans la situation de ces enfants-là. On a parlé de pandémie. Hein? Dans la pandémie, évidemment, on a aussi entendu à travers les médias qu'on avait vécu, puis le docteur Arruda, le ministre Dubé en a parlé, à quel point il était préoccupé du fait qu'on avait fermé les écoles et que les enfants n'étaient pas vus par des professionnels. Ça a eu un impact en protection de la jeunesse. Vous pouvez le voir à travers ces données-là. En fait, il y a 7000 signalements de moins, en fait, qui a été reçu à travers la province entre la mi-mars et la mi-mai. Donc, quand on a fermé les écoles de façon générale l'année passée, nous, ça a été un peu différent au niveau de la fermeture des écoles, mais à toute fin pratique, là, on a 7000 situations qui n'ont pas été signalées là, si on comparait aux autres années. Pour la Naudière, ce chiffre-là, c'est 554 signalements de moins que nous avons reçu à pareille date, donc de la mi-mars à la mi-mai, là où, évidemment, là, les écoles et les enfants là, étaient plus à la maison. Donc, ça a fait en sorte que dès que l'école a repris et que les enfants ont pu là, être en contact avec des professionnels, bien, on a récupéré, en fait, je dirais comme ça, parce qu'on a fini notre année avec à peu près le même nombre de signalements, là, à quelques dizaines près, au bout de l'année. Alors, on ose espérer que ces situations-là ont été revues à travers là, les autres mois qui ont finalisé l'année. Dans le cadre des Journées de la culture, plusieurs activités auront lieu les 24, 25 et 26 septembre, notamment sur le territoire de la MRC de Dautré. On regarde une vidéo à ce sujet. Donc oui, parlons des Journées de la culture. Donc, CTRB organise des portes ouvertes le 25 septembre de 13h à 15h30. Donc, vous êtes les bienvenus à venir visiter nos studios et avoir une émission en direct. Donc, au plaisir de vous retrouver. Et il y a aussi le musée Gilles Villeneuve qui fait des portes ouvertes toute la fin de semaine. Donc, pour marquer la reprise des activités et pour remercier les amis du musée, ceux et celles qui ont appuyé les efforts des dirigeants de l'établissement au pouvoir de la crise liée à la pandémie,
Le musée Gilles Villeneuve ouvre ses portes gratuitement cette fin de semaine, donc les 25 et 26 septembre, de 9h à 17h. Donc, il sera possible de visiter le musée et son impressionnante collection sans frais pour l'occasion. Et il va y avoir des visites guidées, donc tant samedi que dimanche, à 11h et à 13h. Les gens présents auront droit à une visite guidée bien spéciale. Donc, ils pourront suivre tout au long du parcours du musée le directeur de l'établissement, Alain Bellumeur. Donc, ces visiteurs profiteront ainsi d'une visite inédite parsemée d'anecdotes et de belles découvertes. Donc, il faut réserver ses places pour ces visites guidées. C'est à info@commercialmuseegillesvilleneuve.com ou au 1-800-639-0103. Donc, merci. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHDL, le 19 septembre dernier, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Denise Chabot, épouse de feu Jean-Marc Olivier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Olivier, Gilles Filion, Stéphane Olivier, Chantal Cloutier, ses petits-enfants, Marie-Lou, Anthony Boivin, Alex Filion, Émeric Olivier, Ariane Shield, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, Philippe Chabot, Denise Bissonnette, pardon, Jeannette Chabot, feu Roland Valois, Marie-Ange Routier, feu André Chabot, Denise Morin, feu Normand Chabot, Claude Olivier, France Dupont, Carmen Olivier, Georges Grenier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 2 octobre. Dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Chabot seront déposées au columbarium du complexe funéraire le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 septembre dernier, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Arcade Courchaine, fils de feu Zachary Courchaine et de feu Jeannette Cardin, demeurant à l'Île-du-Pas. Il laisse dans le deuil sa sœur, son frère et son beau-frère, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Réjeanne Courchaine, Violette Desauniers, pardon, Laurent Fafard, feu Jeanne d'Arc Courchaine, ses nièces et son neveu, Nathalie Fafard, Suzanne David, Sophie Courchaine, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 23 octobre dès 13h en l'église de la Visitation de l'Île-du-Pas. Suivra les funérailles à 14h. Monsieur Arcade Courchaine sera inhumé au cimetière de l'Île-du-Pas le jour même. À l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 16 septembre dernier, à 86 ans, est décédée Mme Louisette Dandonneau,
épouse de feu Cyril Latour, demeurant à Sorel, est native de la Visitation de l'Île-du-Pont, l'ayant précédé son frère et ses sœurs, Jacques, Claire, Françoise Dandonneau. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Latour, Guy Chaput, Pierre Latour, Chantal, Isabelle, Mario Latour, ses petits-enfants, Mélanie, Élisabeth, Jérémy, Roxane, ses arrière-petites-filles, Ivy, son filleul, Rémi Latour, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Gisèle Plante, feu Jean-Louis Dandonneau, Rosemée Dandonneau, Jean-Guy Latour, Lucie Latour, Rita Valois, feu Villemaire Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. La famille accueillera parents et amis le samedi 25 septembre dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola, où suivront les funérailles le même jour à 14h. Madame Louisette Dandonneau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons à ces familles éprouver nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Météo en ce 23 septembre et pour la journée de vendredi, le gris sera à l'honneur. En ce jeudi soir, on parle de risque d'averse. Le mercure est quand même élevé, 24 degrés. Dans la nuit de ce jeudi, faible pluie, mercure à 18 degrés. On parle de 2 à 4 mm de pluie, c'est quand même peu. Vendredi matin, ça sera un peu plus costaud cependant. La pluie sera au rendez-vous. Le mercure atteindra 18 degrés, 90% de probabilité de pluie. Entre 15 et 20 mm de pluie sont attendus. En après-midi, la pluie se faiblira, donc faible pluie. Le mercure sera à la hausse jusqu'à 20 degrés. On parle de 2 à 4 mm. La pluie devrait être terminée pour la soirée de vendredi. Le ciel sera variable. Et vendredi, dans la nuit, on parle de passage nuageux. Il fera 13 degrés selon les prévisions. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 23 septembre. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour l'édition Week-end. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.